suis Sophie Théodose et je suis enlumineur contemporain à Saint-Germain-en-Laye. Bienvenue dans mon atelier. Alors, je travaille sur deux matériaux principaux, le parchemin de chèvre ou de chevreau et le stuc qui me permet de réaliser des volumes, contrairement au parchemin qui lui est très plat. J'ai une chance énorme, c'est qu'en travaillant sur du parchemin, les couleurs sont toujours éclatantes et lumineuses. Donc les pigments, en voilà un beau rouge. Et la particularité de l'enluminure, qu'elle soit contemporaine ou médiévale, c'est qu'on utilise beaucoup de feuilles d'or pour mettre en valeur les couleurs et la lumière. Un galet, c'est un faux galet, on appelle ça du stuc, c'est du plâtre avec de la poudre de marbre. C'est hyper léger et le toucher est tellement doux que je peux faire mes enluminures avec exactement les mêmes pinceaux, les mêmes feuilles d'or et les mêmes agates que sur le parchemin. C'est ce qui me permet maintenant de travailler en volume, petit ou gros volume, puisque celui-là fait à peu près 85 cm de haut et je le porte si je veux. Je vous attends donc pour les journées européennes des métiers d'art, les vendredis et samedis pour les portes ouvertes et le dimanche pour un stage d'initiation.